sa mère. C'est atroce ce qui se passe. Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. On a déposé tous les ploucs du Blablacar en route. Super drôle, enfin, c'est pas très rassurant. On sort de course, on demande pour une carte, une carte genre hygiène quoi. Et la madame elle fait mais vous voulez monter quoi? On fait le pic de Néouvielle machin. Elle fait mais vous avez vu le temps? Vous voulez faire ça là? Je crois qu'elle se fout un peu de notre gueule mais rien nous arrête. Des piles, du taboulet. Pareil pour une très grande expédition. Ah, on se gare là, on fait ça, on monte là-haut, on dort vers je sais pas où exact. Et demain on monte là, 3091, après on descend et on va là-bas. Oh là. Sacré programme. À présent on entame dernière... Putain on a déposé tous les Blablacar. Il nous reste un dernier colis. En même temps que dans le Blablacar on a fait BHL. On dépose des oreillers dans une auberge. C'est important. Et voilà, comme ça notre trajet il ne va se coûter pas beaucoup. Nickel. C'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. T'as passé un bon moment. Ouais. Bon, c'est pas plus dingue. Je sais par gentillesse mais je trouvais ça un peu claqué. Non, c'est génial. Sur mon 31, elle a kiffé le sein. Je vais la mettre bien. Sur mon 31, j'aime bien. Elle a kiffé le sein. Je vais la mettre bien. Ton studio d'abordé, ça fait titi. Elle, on le savait, c'était infini la nuit. Elle avait pas prévu de dépasser minuit. Et j'avais pas envie qu'elle reste jusqu'à midi. Faut aller acheter un masque à la fin de passe. Ça aurait été putain, j'aurais dû filmer. Petit débrief, on a pris un super Poussman avec sa guitare et tout. Puis elle nous a dit que le Néouvielle c'était génial. Mais que. Voilà, on est sans saison quoi. Bah, on est hors saison. On est hors saison, mais du coup, il y aura personne. Normalement, c'est méga touristique. Mais, vas-y, les conditions elles sont rudes. Et en tente, c'est chaud de fou. Et il a dit renseignez-vous pour les refuges et tout. Mais vas-y, pas l'étal. C'est vrai qu'on n'a pas l'étal surtout. On n'a pas d'argent. On n'a pas l'étal et on n'a pas envie. Du coup on va se foutre en tente, ça va être génial. Mais nous donner des petits tips. En vrai c'est un bon. Putain ça tente ça. En vrai c'est un bon. Mais ça fait très peur. Il nous demande du duvet et tout. Putain on n'est pas équipé. On va se faire pisser dessus par la montagne. Je vous donne un petit tips pour dormir au chaud. Donc on va essayer de faire, essayer de l'appliquer. Et aussi, le pic du Néouvielle, il est à 3100 et quelques, ça on savait. Et apparemment, déjà il a dit qu'il risquait peut-être avoir de la neige. Hein. Bah, il avait une super application quand même. Je sais pas. Peut-être avoir de la neige et en tout cas le sommet serait enneigé. Donc on espère qu'il n'est pas glacé parce qu'on n'a pas de cranté. Mais s'il est que enneigé, ça va, c'est marrant. On va surtout la fraîcheur. Youhou ouais, il fait froid mais... 8 couches, 2 slips et ça part en balle. Putain mais c'est quel genre de mission secondaire ça? On doit livrer des coussins à un Carrefour. Bonjour. Excusez-moi, on m'a remis des coussins à vous donner. Bonne journée, au revoir. 10 balles pour la cagnotte. Il est où ce con? Yeah. Mission réalisée avec succès. On a encore 48 minutes de route. Ta gueule. Viens on se fout dans un fossé. Je commence à en avoir le cul. Le fossé. Le fossé. Le fossé. Comme dit, je crois qu'on va là-bas. Putain il y a de la neige. Bon. Il y a de la neige. Oh là 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 là. Ça va pas faire le malin. C'est là-haut. Du coup, s'il y a de la neige, c'est nos trucs à nous, on va pas le faire. Si. Mec, on n'a pas de crampons. Mais si, on le fait. Mais tu prends pour qui, mec? On fait, hein. On verra. Ouais. Du coup, il y a peut-être de la neige pic de Néouvielle. ça c'est chiant ça. Dites-vous, regardez, on est arrivé au parking, il n'y a pas une bagnole. C'est très bizarre le mood, on est que deux. Quand on était quatre en vrai c'est ça, c'est ça en gros, s'il y avait une couille, bah en vrai on était trois quoi pour aider la couille. Là s'il y a une couille on est un pour aider la couille. C'est compliqué hein. Oh là 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 là. Ça va en chier hein. J'ai la côte qui nous attend là. Je sais que ça va être hardcore, je sais pas combien de temps ça va mettre surtout. Je pense qu'on a bien 2 heures. Il est 17 h là, faut qu'on s'habille en vif. On se... ouais, il fait 5 degrés. 5 degrés là, il pleut. On s'habille en vif. Waouh le froid mec. J'ai vraiment envie de chier. Je pourrais faire caca alors qu'on n'a pas commencé l'ascension. Ok donc on part à droite. Mec il n'y a aucun refuge. Attends, c'était pas prévu là. Il est censé y avoir un chemin de là à là. Parce que de base on est censé. Il faut que j'aille chier. Je prends pas les coups. Ouais, bonne idée ça. Moi j'ai qu'il fasse quelqu'un. Aïe, j'en peux plus. Oh, pas de place. Putain, le sac. Mazel tov. Vas-y, on peut faire. Grand départ, c'est parti. Ça part de là, hein. Ça part de là. Ah non, aujourd'hui on verra. Bon, aujourd'hui on sait pas trop où on va, mais on y va. Hein. Petite montée. Bon, c'est là où on voulait aller. Ça avait des muscles qui n'ont pas travaillé depuis bien longtemps. T'as dans le cardio. Ouais, et qui neige. C'est pas de la neige, mais bon. On capte quoi. Ah, le sac. Il est lourd. Il a trempé tout le sol. Il a fait couler son camelback, ce golemon. Oh là là. Oh là. Oh le bazar. C'est l'un des pires campements qu'on ait fait. Il y a de la flotte partout. Il est pas allé. Oh, j'ai les pieds trempés. Oh là 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 là. Yeah. Ouhouhou. Ouais, j'ai pas froid, moi je trouve. Non, ça va là. Équipéo. Équipéo. Dilemme de la soirée, est-ce qu'on fait à manger ou pas? Ah, l'autre il est en train de coma. Moi je dis non, fais pas manger. Ouais, je pense à manger muesli bar et... ça fait le taf. On n'a pas d'eau en fait. Et sinon demain, pour, on se lève tôt, on n'aura pas d'eau. Avant de trouver un petit point. Muesli bar, fromage. Oh. Chasseur quoi. Allez, on va se muesli la gueule. Allez. Ah, fais chier, putain. Mais mec, je te confie une tâche, acheter des muesli, d'acheter des trucs aux 4 noix. Les mecs, ils sont où le chocolat? Mec, j'aime pas les noix, je suis allergique. T'es allergique? Mais oui, je peux pas becquer les noix, moi. Vraiment? Bah non, c'est une blague, mais... mec, la nourriture de piaf, tu sais. What? Oh, pas bien, il y a de la neige. Enfin, de la neige, c'est un grand mot. C'est de la neige ou pas? Bah ouais, c'est une glace, quoi. Ouais, c'est de la glace. Oh, yeah, yeah. Ça va être sympa. Ouhou. Là, je suis plutôt bien installé. Ou... juste, j'ai très peur du froid là. Je suis shit dessus. Ouais, j'espère qu'il fait pas froid. Crampé fort, demain on se lève raisonnablement tôt pour aller Pic De Néouvielle. Et voilà quoi. Il fait froid, il y a de la neige partout, c'est génial. 500 mètres de dépousse, normalement. Nickel. On se met de parole. Bisous, bisous. Mec, de la nuit. Bon. On n'a pas eu froid. Mais putain, la tente elle a failli s'envoler, il a plu toute la nuit. Parce que là on vient de toucher comme ça. Et il y a un énorme bloc de neige qui est tombé. Donc on va faire le pack opening. Le petit pack opening de dehors. Pour savoir est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut se foutre en l'air ou pas? Oh putain là. Mais mec. Oh non. Oh. Oh. Mec, c'est enneigé. Partout. Oh, ah. Yes. Alors, réfléchissons. Réfléchissons un petit peu. Ouh. Ça va être sympa. Hey, il y a de la neige. Parti. J'ai trop froid. Enfin, toute la face est enneigée. On va pas le voir, mais... Ah, je vois rien. C'est bien beau. Moi, je pense que c'est faisable. Juste, c'est très galère, quoi. Alors, on sait pas ce que c'est vraiment. Et là, bah, c'est le vide. Et... En fait, juste, c'est des cairns, quoi. Parce que là, du coup, il y a zéro balisage et il n'y a pas de tracé sur la carte. C'est que aux cairns. La gueule des rochers quand on n'a pas de crampons. Parce qu'on fait, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on monte pas, est-ce qu'on se chie dessus, est-ce qu'on se chie pas dessus, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux? Beaucoup de questions, très peu de réponses, mais beaucoup de neige. Take off the foo-foo, take off the couches, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take his steps, then I'm taking off top off, take off the fancy streams and the microwave names, it's a real world outside, take off your idols, take off the runway, take off the Cairo. Take off the sandal, pay 5 days stay, take up for the meal and the value. Take off the fuffler, take off perception, take off the cop with the iPad. Take off the hunger, take off the unsure, take off the solutions I like. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the humble cock here. Take off the gossip, take off the new logic. Le plan c'est quoi? Le plan on essaye. Première truc un peu dangereux, casse-gueule, on arrête. On va pas prendre de risque pour rien. On laisse la tente là, toutes les affaires, on prend juste de l'eau et des barres. Ouais, on n'a pas beaucoup d'eau, on a genre même pas 1 litre pour 2. Et donc l'idée, on prend bien le temps de monter. On va, je pense, crever la dalle, on va manger très tard, je pense. Mais bon, voilà, on dort ici, ce soir. Bon, au moins, on monte ce putain de pic de Néouvielle. On essaye. J'en ai pas expliqué, on a paqué tout le strict nécessaire dans ce petit sac de cuisine. L'ascension va être rude. Pas falloir faire trop les cons. Le plan, du coup, ça serait de passer par là. On va redescendre et on va descendre là au niveau de ça et remonter pour aller au pic. Comme ça, oula, comme ça jusqu'au sommet. Et derrière ça tout à l'heure, et encore derrière la tente là, au niveau de l'arête ici. Ouh, c'est beau hein. Bon là c'est la merde. Ah plus d'eau, 200 ml. On va trouver ça. Ça va remplir là hein. Vient de se dévoiler. Falloir crapahuter hein. Pas d'autre choix. Je pense là on a monté quoi, 200 mètres. Il reste 300. Ouais. Oui, de dénivelé. Positif. Casse-gueule pour bien faire gaffe. Allez, on y retourne. magnifique. Descend halle, on remonte, tac 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 tac, on monte là, sommet. Allez. Quand je dois le gueule. Oh sa mère. Oh, oh, oh. Ah. Ah. Oh là là. Combien? 91. Sans matériel. Oh putain, parce que c'était beau, mec. Oh, oh. Compliqué la fin. Un peu. Il y a beaucoup de neige. Voilà, va falloir entamer la descente. Un mot pour descendre jusque. Voilà. T'es bien nu, frère. Quel nag, hein. Frérot, il avait piolé crampon, il a abandonné. Oh, il est vraiment puant. C'est vrai qu'il pue bien la merde, hein. On est arrivé. Il est 15h pile. On est arrivé à 10h pile. 5h. Montée descente. Bon, on voit même pas. Oh, les chemins. La descente, elle m'a tué. C'est fou de toujours en chier à cuisiner comme ça. Allez, allez là. On va bien manger. Tu t'es dû manger. Putain, mais il y a des pâtes pour 8 jours. Miam miam. Là ça... double concentré pour 2 fois plus de plaisir quoi. Bien bon. Bien bon, bien bon. Ouais, on se refait une tournée après. Ah bah non, on a plus d'eau. On a plus d'eau du tout. Non, on a plus d'eau. On est à sec. Les pâtes elles sont pas cuites. Elles sont pas cuites? Non. Bah ou du croquant. Pourquoi on s'est foutu en pente comme ça? Et qu'on voulait du dénivelé dans la nuit. Bah ça. Et bah voilà, il est 15h. Au lit. 16h maintenant. Putain, on a mis du temps à grailler. Je sais pas où on veut. Ça va bien dormir. Et après on repart, on sait pas ce qu'on fait. On... Moi je laisse Lucas sa lecture. C'est un peu le papa du groupe. Et moi je dors. Parce que je suis un peu l'enfant du groupe. Notre con là, il m'a réveillé de ma sieste. Pour partir. Partir où? C'est une bonne question ça. Vidéo. Plus rien. Oh là 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 là, j'aurais bien aimé dormir ici moi. Putain, j'ai plus de chaussettes propres. Oh là 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 là. Enfin, sèche. Plutôt. Parce que ce matin, je suis parti en akimbo chaussettes. Pas la bonne technique ça. On va dormir juste là-bas. Mec, on défait tout pour redormir. Ok. Ça me plaît ça. Parce qu'en fait j'ai compris c'est quoi le problème pour la nuit. C'est toi le problème. C'est moi le problème tu refais. Ouais parce que ce soir normalement on fait chambre à part avec Lucas. Parce qu'on redescend. On redescend Halle, là où il y a le C8. Et du coup on dort là et comme ça demain matin on prend direct la bagnole. Parce qu'en fait, oui c'est ça le truc. Je vais l'expliquer maintenant tiens. Du coup on redescend. Demain on se remet un petit coup de voiture et il y a un petit panier, un petit parking juste en dessous. Comme ça c'est génial. Du coup ce soir Lucas il dort dans le C8 parce que je sais pas, il m'aime pas. Et moi je dors dans la tente, tout seul. C'est pas tip top ça, mais du coup on fait chambre à part donc il va un peu me manquer. Là on déroule, on descend, on descend, on descend. Regarde les petites montagnes là. Là c'est accueillant, là c'est mignon. Et là c'est ce qu'on va demain. Comment ça fait flipper. Tout enneigé là. Oh là 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 là. Ça donne envie. J'ai perdu un gant, j'en avais attaché un comme ça. Enfin les deux. Il y en a un qui est tombé. Donc là Lucas il descend jusqu'en bas, on avait presque fini. Et moi je remonte. La GoPro a coupé, j'ai plus beaucoup de batterie. Ni sur mon téléphone, ni sur rien. Et du coup là on part à la recherche du gant. Enfin je pars à vide, je remonte tout. Vas-y je coupe parce qu'il faut que je me concentre mais... Oh là là. Bon bah, grande bredouille sa mère, il me manque un gant. Demain normalement on doit refaire un petit sommet comme on a fait là aujourd'hui. Du coup bah c'est chiant, j'en sais pas quoi, on est tout le temps les mains dans la glace. Et si j'avais pas de gants, je voulais filer les gants. Nouvelle connerie, voilà. La caisse. Oh là là. Tu me pousses. C'est vrai. Bah ouais. La poussette hein, j'ai... Ah. Bivouac de ce soir installé. On est plutôt pas mal. Du coup moi genre dans la tente seul tout. Et là on a foutu le C8 à côté comme ça. Bah, en fait demain on monte le pic avec nos sacs cette fois-ci mais sans les tentes, sans les duvets etc. Au moins on peut tout mettre là-dedans. Et là on a une petite muraille qui m'entoure. Il y a le lac en dessous. Du coup le lac avec le vent ça fait de l'air froid. Donc pff, trop froid. Mais là du coup ça va, je suis plutôt protégé à haut. C'est génial, ça fait super nuit. Bien dormir, on va bien manger. Ouhou, yeehaw. Ouh, ça va bien manger. Bon alors, petit récap de ce premier et deuxième jour. On a marché un total de 15 km avec pas mal de dénivelé, surtout pendant l'ascension du pic de Néouvielle. Vous l'avez vu, on en a pas mal chié avec la neige, mais c'était vraiment incroyable, surtout avec la petite approche escalade, c'était bien cool. Il est à 8h50. La nuit était cool, tout seul. Putain, j'ai l'impression d'avoir dormi 30 heures, c'était interminable. Je me réveillais, il était 4h du matin, il était 5h. Il était interminable la nuit. Il est super tip top. Je me sens d'attaque. Là, je mets plein d'eau. Je capte pas trop. Mais il y a de l'eau partout en fait. Ça va enquiller des céréales là. Yam yam. Bon, on va quand même éviter de rester des gros puants pendant trop longtemps. Petit brossage de dents. Dans l'optique toujours de gagner du poids, j'ai allégé la brosse à dents. Ça c'est... Ça va trop. Oh, ça glisse. Ah mais c'est verglas, fais gaffe hein. C'est la patinoire, et je suis Alexis ou... C'est enculé d'Alexis mec. Il va à la patinoire tous les 4 matins. Il y est tous les jours mec. C'est trop grave. J'y vais encore là. Bah oui, si, je te jure. Tout le temps. Tous les jours. C'est reparti. On va marcher un petit coup là. Se dégourdir les orteils. Après, on monte le pic de Campbieil. Campbieil, c'est Tipar. Youhou. Oh, chier. Que du lacet comme ça là où ça monte, ça monte, ça monte. C'est dur. C'est super chaud. Ça va être compliqué. On est claqué. Ça monte fort. On va 1000 mètres de dénivelé positif dans la gueule. De la mañana. Compliqué. En plus là c'est des marches quoi. T'es là, t'es fou. Frère, ça y est. Ah, heureusement c'est beau quoi. Et en plus on pue, enfin je pue surtout. C'est abominable. Là 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 là. On sait pas trop par où on passe mais soit on doit taper ça, soit on doit taper une côte comme ça en tout cas vers la fin. C'était pas que du plaisir quoi. Oh. Ah ça tire dans les guiboles là-bas ça oui. Ah bah ça c'est sûr. Là du coup on s'attaque à ça, décision prise. Ça va être sympa. Ah, je suis une chauve. Compliqué. Haha. Oh, c'est atroce le gars. Oh, je relance. Ça glisse trop. Mais bon, on a bien commencé à voir le bout d'une petite partie, d'une bonne partie. De manière, on s'y attendait parce qu'à un moment, on avait bien marché, on avait fait quasiment la moitié. On était à 2003 mètres d'altitude. Et on doit monter à 3002. Il ne restait plus que la moitié du parcours, donc on s'était bien douté que ça allait crapahuter, quoi. Ouh. Marcher. Je vois pas de ce midi, le vieux taboulet qui a tourné. Ça va bien manger en tout cas. Ça va manger de la neige, pas le choix. C'est quand même bon. Un peu de jus dans mon taboulet quand même. Ouais, moi aussi. Il est un peu plus acide que d'habitude. Ouais. C'est dur ça. Oh, plutôt pas trop mal. On attaque l'ascension. J'aime bien les câbles, on fait le beau corps en humanité. Putain, on monte une pente à 700 degrés. Pourquoi ce bordel? Regardez, c'est quand on glisse quoi. Il s'enfonce et en fait on glisse, donc on avance mais on recule en même temps. 0 degré. Je sais pas comment on dit. Je m'en fous. Wow. Après, c'est joli. Putain. C'est quand même hardcore leur passage. Je sais pas si on de la pente quoi. Oh, oh. C'est magnifique. Là je tombe. C'est ciao. Oh. Hop, petit ressenti sur la montée, qu'est-ce que t'en penses? Putain j'en chie. Eh génial. Ah. Touche le bout là. On s'approche du dernier lacet là. C'est... Ça va être agité. C'est atroce. C'est génial. Un paroi. Ah, dans la tête. Putain, je peux passer dans la mort. C'est horrible. C'est atroce ce qui se passe. Allez, prends-toi. Voilà. Voilà. On est bien. C'est de la glace. On n'a pas de crampons. Allez. Oh putain. J'ai crevé. Plus de force. Allez, on se concentre un peu. Ah putain. que je dise. Tellement dangereux. C'est dangereux. Allez. Allez, ça déroule. Oh. Oh si, c'est génial. Pente, putain. C'est incroyable, putain. Ah, comment c'est beau. Oh là 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 là. Réussi. Ça fait des belles frayeurs sur la montée là. Au niveau de l'espèce de S qu'on voyait depuis le début là, qu'on parlait. Et du coup on est vraiment pas serein pour la descente quoi. Parce qu'il faut qu'on fasse exactement ce qu'on vient de faire à l'envers. Parce qu'à la montée c'est facile de planter ses sabots, pousser dessus. Mais là, descendre sur des plantages de sabots. Bon, on comprend rien, mais c'est... Voilà quoi, on se chie dessus quoi. Je te chie dessus, je sais pas combien de fois. Petit bilan des statistiques. Arrivé 14h18, on est parti à 9h45. 4h30, putain l'ascension. Pour un total de 8 km avec 234 étages montés. Bon, en gros ça fait 1000 de dénivelé positif, on va pas chier. 1000 de dénivelé positif. Et hier, pour se rendre compte un peu des stats, hier on a fait 12,6 km, mais l'ascension c'est à peu près 6 km. Et on avait monté que 116 étages. Et on en avait chié nos mères. Et là, 8 km, 234 étages. On a doublé quasiment le nombre de... On a doublé carrément le nombre d'étages en fait. Et là, putain, la vue, mec! Putain, j'ai de la côte, j'appelle ma mère en fast time. Oh, c'est incroyable. Et oui, puisque aussi, en plus, là, tous les gens qu'on voit, les traces, il y a des traces là par exemple. Ça, mon garçon, je te fais pas un dessin, c'est une trace de crampon. Et nous, bah, on se mêle bien lisse quoi. Je regrette un peu, ouais. On regrette peut-être un peu d'être monté. C'était pas l'équipement du tout et... On a été con. Peut-être. Wow, le brouillard qui se lève là. Nickel ça. Donc si on meurt... C'est chiant. J'espère si vous retrouvez cette caméra et qu'on est mort, au moins on a fait le sommet quoi. On a bien descendu. Je fais ça à l'iPhone là, trop risqué. Ils sont redescendus. En vrai, c'était bien moins compliqué que ce qu'on pensait. C'était compliqué, mais enfin, il fallait juste prendre son temps en fait. Mais ça faisait quand même peur. Et là, bon, ça va débrouiller tranquille. Pas le bout, ça fait que monter. On va redescendre, c'est interminable. Oh, c'est beau par contre. Ouh. Ah, la délivrance, on est enfin arrivé. Bon, il nous reste un peu de route, c'est que du flat, c'est de la route de voiture. Oh, putain. On en sort. Je vous ai pas trop filmé le retour, parce que trop galère, on pouvait plus d'énergie, on sort sur la GoPro et tout, c'était chiant pour filmer. Oh là là, ah, ce que c'est beau. Ah, je suis cuit aussi. Plus de force dans les pieds, les genoux, les mollets, les jambes, il n'y a plus rien. Même j'ai mal au dorsaux et aux épaules parce que mine de rien quand on était là-haut, putain on les prenait bien quoi les bâtons. On a mis quasiment 2 heures, quasiment 3 heures là pour la descente. Quasiment 3 heures de descente, 4h30 de montée. Solide l'expédition. Bon là c'est les derniers mètres pour rentrer au C8 et qu'est-ce qu'on voit, ce bon vieux pic de Néouvielle juste là. Et c'est quand même vachement impressionnant. Vu d'en bas, très stylé. Purée, ça fait flipper, il y a un big sauvetage sur le pic de Néouvielle là. Juste avant là, ils avaient mis la nacelle et tout pour aller chercher le mec. Il est 19h mais... Et oh à tout moment le mec il taille quoi. Non, en vrai c'est chaud. Bon, c'est la dernière nuit de merde là. J'ai l'impression que les nuits elles durent 30 heures. Genre vraiment, c'est hyper long. Et je dors bien en vrai, enfin je dors mais je dors 30 heures. Sur ces belles paroles, bonne nuit. Ok les gars, petit récap de ce troisième jour fort en émotion, c'était vraiment incroyable, un chouïa inconscient mais trop cool. On a enquillé plus de 16 bornes avec 1 km de dénivelé positif et 1 km de dénivelé négatif. On est arrivé au pic de Campbieil au bout de 4h30 d'ascension, puis on a dû se taper toute la descente, c'était vraiment long mais trop bien. Nice, la nuit, nice. Putain, mais il pleut sa mère, il y a du vent à la mort. Et j'ai un côté qui s'est barré. J'ai trop la flemme, j'ai envie de pisser, mais j'ai trop la flemme de sortir. Oh, j'ai trop le seum, mec. Il est que 2h20, j'ai l'impression que ça fait 30 heures que je dors. J'en peux plus, frère. Je suis un énorme acteur, je m'en pète rien, mais... J'en ai marre, mais j'ai l'impression que je dors vraiment 800 heures. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Eh ben, ça va bien dormir. C'est un fou au fond du duvet et ça va fermer sa gueule. Wesh. Et tout le monde en est arrivé dans la vie. Comment on en est arrivé là? Bon bah voilà les gars, on touche à la fin du périple. Le C8 est chargé, tout est prêt. C'était encore une super aventure, merci de nous avoir suivis. Et bah à bientôt.